est baptisé en 1959. Donc c'est historique, ça fait partie de l'histoire de Saint-Louis. Donc nous avons des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire de Saint-Louis. Si on doit prendre vraiment un lieu historique, mieux vaut choisir parmi ces dignes fils ou ces dignes filles de Saint-Louis. On peut donner des exemples qui ont fait, et pour Saint-Louis, et pour le Sénégal, et pour même l'Afrique, un Bathlen Siki. C'est une personnalité connue au plan mondial et qui est là de Guendar, Djaboussek, la Saint-Louisienne, dans le domaine culturel. On peut trouver dans le domaine politique, on peut en trouver, il y en a beaucoup qui sont là, qui ont fait l'histoire politique non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique occidentale française, qui sont des Saint-Louisiens, Bontins, qui sont là. Pourquoi on nous amène Macky Sall? C'est trop tôt, pourquoi on nous amène Macky Sall? On pense que c'est inopportun. Donc on n'est pas contre, mais on pense que c'est inopportun par rapport à quelqu'un m'a dit tout à l'heure au téléphone, en me disant, sur cette avenue-là, il y a l'école Khayar Mbeye, qui est complètement délabrée, fermée depuis des années. Et Khayar Mbeye fait partie de ceux qui ont écrit l'histoire de Saint-Louis. On aurait même pu lui donner le nom. Et maintenant, que c'est fait, quelle est la suite? Maintenant, ce qui est fait. Ils ont décidé de voter, de faire passer cette affaire-là. Nous avons décidé, nous, de ne pas participer à cette forfaiture. Et pour cela, nous avons dit, nous les laissons vraiment voter ce qu'ils ont à faire. Et ils le feront de façon vraiment... Ils le feront seuls. Il n'y aura personne, ils seront seuls entre eux. Et ils vont voter entre eux. Et ils vont dire, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons... arrêter cette tactique-là de sortir de la salle et de les laisser seuls avec leur voix. L'opposition est dans leur rôle de s'opposer pour s'opposer, mais vous devez le constater avec nous, ils n'ont donné aucun argument scientifique, aucun argument qui peut s'opposer à notre proposition de donner le nom de l'ex-avenue générale de Gaulle au président Macky Sall. Et Saint-Louis aussi a l'habitude historique de donner des noms à des présidents qui sont en vie. Je pense qu'ici, nous avons donné une rue et une école baptisée au président Abdou Diouf. La place qui est à l'entrée du pont Federbe à Sor au président Ablaye Watt. C'est naturel que notre avenue générale de Gaulle porte le nom du président Macky Sall. Peut-être ce que j'avais dit, lancer un appel au président pour qu'il nous accompagne pour en faire la plus belle avenue du Sénégal. Et je suis sûr que le président, s'il entend notre appel, va nous accompagner parce que c'est un très grand bâtisseur et il ne fait jamais des choses à rabais. Le président Macky Sall, c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. De surcroît, le président de la République. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a un peu de problème. Si vous faites des choses, vous allez faire des choses. Aujourd'hui, il y a une commission qui est la même. Mais tay fekke commission bob débattre nañ ko le maire bu ñëwé mu argumenter ko ñu ñëw tek bu boba dinañ ci mëna di débattre mais mëno tok commission bi ligéy ba teunk comme une cheveux ci bir soupe nga yëkëti ben tour rek daal ko indi et puis ce débat là avait été évacué depuis 2020 donc tay on ne voit pas la raison pourquoi tay di ñu ñëw tay di ni diko indi wat d'autant plus que tay ci hors du jour bi gis nañu rapport bu am solo muy rapport cour des comptes. Nga xamanteni dafa am ay recommandations yu am solo yu mu def bureau conseil municipal mais depuis ce matin pourquoi tay ñu inverser li nga xamanteni mom moy hors du jour bi jël benn tour nga xamanteni pour tudde que le président Macky Sall ñeu yégal ko ci kaw yenen yi am solo yépp muy li nga xamanteni mom moy budget ñu war ko voter budget 2024 tay ji wax ci nga xamanteni moy rapport cour des comptes wax ci balu passation de marché de façon globale mais ñu jël loolu yépp reléguer ko au second plan tay ndar bi point était au 7e au 7e point la nekkon tay ñom avec leur majorité mécanique dañu jël le 7e point yégué ko ci kaw ba paré ñu radi tok depuis ce matin ça fait de 9h à 16h ben point bi kessé mom lañ def te gis ngeen échafaudé yi fi am le préfet a été obligé indi tay police pour la première fois depuis ñu nek ay conseils municipaux ba tay donc ñun tay lañ ko mësa dund biñu ñëwé dañ leen fekk du jël ak li nga xamanteni mom moy mobilisation ay nit dugg ci salle bi commencer perturber tay science bi lolu mom moko tardal en tout cas am lo xamanteni nous sommes face à l'histoire.
Nous avons à l'unanimité décidé de ne pas voter. Moi, nous n'y en tant que conseil, nous gagnons, nous gagnons. Deglenak, bi nous n'avait posé que opposition bi, mais comme une minorité là, dans dar, mais am 80 conseils. Nous n'y avons pas pour nous chameler, nous taxer un brassard rouge. Bindi c'est un kait, Foucault Jérôme là. Donc Foucault Jérôme, si Jérôme n'y a pas, ils sont largement minoritaires. Maintenant, puisque nous sommes minoritaires. Xamna ni mënul ñu ñu téré ñu def lënu def ci lañu ñew bëgg yëngël bëgg ay ciow mais may féliciter conseiller yi and yi bok benno bok yaakar ak ñinu andal ndax tok nañu garder sen sérénité garder sen dal ba mëni mëna ba liggéey bi door ñu indi sen ay argument ba paré voter tour yoy yëpp ma wax à l'unanimité té lool vraiment ñu leen ci saluer mais opposition rôle am la nek comprendre nan leen ñu ñew pour wax message bi ni lancé président rek moy si mom lañu yaakar pour mu défaral ñu suñu avenue bi ba mu dakh avenue mu nek avenue bi nga rafet Sénégal ñun suñu bëgg bëgg dañ kay wax ñong kay lancé un appel pour mu défaral ñu suñu avenue bi défaral ñu ci ay mobilier urbain défaral ñu ay garab yu rafet ay palmiers reprendre éclairage bi décorer ñu ko bo xamni ku fi jaar da xamni li ñu tuddé Macky Sall tolona ak dimension Macky Sall te xamna yak amna rafet na njott ke dinañu dégg te dinañu accompagner.